Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Alors, ça prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes. À l'item 30A, ajouter une autorisation pour la signature en ce qui concerne la grande journée des petits entrepreneurs. Je pense que c'est comme ça. Hein? Oui. Et à 30B, je proposerai une motion de remerciement pour notre curé, Pierre Castonguet, qui a quitté, d'ailleurs, depuis hier, 5h30, la ville de l'Ancienne Norette pour un stage de formation en France. Et il ne reviendra pas à l'Ancienne Norette. Alors, qui propose? J'aimerais, M. Loranger, oui. S'il vous plaît. Micro. J'aimerais, s'il vous plaît, retirer le point 3 à l'ordre du jour de cette séance pour qu'on en rediscute ultérieurement. Alors, c'est... Alors, vous en faites une proposition. Là, je vais demander le vote là-dessus parce que moi, je ne suis pas d'accord. Alors... Pour retirer la... Pour retirer le point 3. Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous voulez... On veut en rediscuter. On l'a mis quelques fois lors du jour de la séance du CA pour en discuter avec vous, puis on n'en a pas discuté encore. Puis on a besoin de d'autres informations. Alors, on veut en rediscuter, puis on attend d'autres informations de la polyvalente. OK. Alors, je vais accepter. Si. Alors, donc, on peut penser qu'on va en rediscuter la prochaine réunion de travail, la prochaine séance? Bien, je l'espère. OK. Merci. À mesure du moment que vous êtes disponible pour en discuter, à partir du moment que vous êtes disponible pour en discuter, on va en discuter avec vous. Hein. Parfait. OK. Proposer la modification. Alors, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 avril 2019. Je propose. À l'item 5, règlement 330-2019, établissant un projet pilote autorisant la garde de poules sur le territoire de la ville de l'Ancienne Norette. Alors, je propose. Excusez, M. Loranger. Il y avait une petite modification au règlement. En fait, suite à la dernière séance, je pense que c'est une intervention de Mme Ossio. C'était concernant la gestion des excréments. Il y a eu un ajout. Tous les excréments devront être retirés quotidiennement du poulailler et être déposés dans un sac hydrofuge avant d'être jetés dans le bac à ordures. Oui. Donc, c'est ça l'ajout, pour éviter qu'il y ait des maladies qui se propagent suite à la gestion des filets. C'est correct. Est-ce que je peux poser une question? Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement. Oui. Mais comment on va contrôler ça? Bien, en fait, c'est simple. Les gens vont devoir déposer leur fiente dans des sacs hydrofuges qui ne laissent pas passer l'eau. Puis dans leur. Mais évidemment, on n'ira pas voir dans chaque bac à déchets s'ils respectent le règlement, évidemment. OK. Bien, en tout cas, au moins, ça va nous permettre de sévir. C'est plus par précaution. Oui. Non, mais je suis d'accord avec le principe de précaution. Okay. C'est beau. Alors, c'est proposé? Reproposé. C'est correct? Proposé, oui. Adopté? C'est Mme Ossio qui avait secondé. Oui. OK. Alors, les points 6 et 7 vont ensemble. Le point 6, c'est l'Assemblée publique de consultation. L'autre, c'est l'adoption du second projet de règlement. Alors, il s'agit de... Pierre, peux-tu l'expliquer? Parce que le lot 1 300 000, là... Oui. Je pense qu'on a une adresse quelque part. Oui. En fait, le but du règlement, c'est d'inclure la propriété du 1363 route de l'aéroport à la zone commerciale CC1. Donc, on voit ici la propriété en question. On a une vue aérienne également de la propriété. Donc, elle est située en bordure de la route de l'aéroport. Et actuellement, elle est chevauchée par deux zones, soit deux zones résidentielles, la zone RC-102 et la zone RC-17. Le but, c'est de permettre un projet commercial et donc de l'intégrer à l'intérieur de la zone CC1 adjacente. Donc, on voit ici ce qui va en résulter. En ce qui concerne les dispositions réglementaires, donc l'effet du règlement, on a ici un tableau comparatif entre les normes applicables actuellement dans les zones RC 102 et RC 17, où se situe la propriété,
et la zone CC1 où va se situer la propriété dans le futur. Actuellement, les usages autorisés dans les zones RC102 et RC17, c'est de l'habitation. C'est de l'habitation multifamiliale parce que c'est deux logements et plus. Tandis que dans la zone CC1, on est plus dans un usage commercial de vente au détail, d'administration de services et d'hébergement touristique. La hauteur maximale autorisée dans les zones résidentielles, c'est de 4 étages. Et dans la zone commerciale, c'est de 6 étages maximum pour un total de 24 mètres de hauteur. La marge de recul avant, c'est la même en bordure de la route de l'aéroport pour les trois zones, en fait, 15,2 mètres. La marge de recul latérale est un petit peu plus élevée. En fait, c'est la hauteur du mur adjacent. Donc, on peut s'attendre à une hauteur de mur de 10, 11, 12 mètres pour... tandis que dans la zone résidentielle, c'est 3,9 et 4,5 mètres minimum. La marge de recul arrière est de 4,5 dans les zones RC102 et RC17 pour les usages résidentiels, tandis qu'elle est de 8,5 mètres pour la zone CC1. Et il y a un coefficient d'occupation du sol qui s'applique dans toute zone commerciale, soit 25 %. Donc, le bâtiment doit occuper 25 % de la superficie totale du lot sur laquelle il s'implante. Évidemment, cette modification réglementaire-là va se résulter par un projet commercial dont vous allez être tenu informé. Est-ce qu'on a une idée du genre de commerce qui veut s'installer là? Oui, en fait, c'est des bureaux professionnels. OK, des bureaux. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions? On est à l'Assemblée publique de consultation. Est-ce que les explications étaient suffisamment claires? Ça va pour tout le monde? Alors, maintenant, qui propose l'adoption du second projet? Je propose. Madame Ossio, appuyée par? Secondé. Au point 8 et 9, c'est la même chose. Le point 8, c'est l'Assemblée publique de consultation. Puis le point 9, c'est l'adoption du second projet de règlement. Alors, Pierre, veux-tu expliquer? Oui. Donc, le but du règlement ici, c'est d'inclure le lot 2501-607 situé à l'intersection de la rue de Turmel et de la rue du Chanoine-Dupré à l'intérieur de la zone d'habitation RAB 71. On voit ici une photo du terrain. Donc, c'est un terrain d'angle, un terrain de coin. On voit la vue aérienne du site. Donc, actuellement, le terrain est situé dans la zone UB 1, soit une zone d'utilité publique. Ça a été fait suite à la prise en possession du ministère de cette portion de terrain-là. Mais ce terrain-là n'est pas affecté par une servitude du ministère, donc il peut être destiné à un usage résidentiel. Donc on voit ici le zonage avant la modification et le zonage après la modification. Donc la propriété est intégrée dans la zone située au nord, dans la zone RAB 71. Au niveau des dispositions réglementaires, les modifications, c'est vraiment, ça devient dans la zone résidentielle. L'usage devient dans la zone résidentielle. Ce qu'on permet actuellement dans cette zone-là, c'est de l'habitation unifamiliale isolée et jumelée. 2 étages maximum, une hauteur de 9 mètres, une marge de recul avant de 6,1 mètres, des marges de recul de 3,5 et de 3,9 mètres, une marge de recul arrière de 4,5 et un pourcentage de cour arrière de 40 % pour un unifamilial isolé et de 35 % pour un unifamilial jumelé. Tandis qu'anciennement, c'était vraiment juste l'usage réseau routier d'envergure qui était permis. Fait que c'est ça, la nature. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, qui propose l'adoption? À l'item 10, règlement concernant les nuisances. Dispositifs lumineux, en fait, c'est toute la notion d'éclairage, des spots clignotants, puis ce faire là, et aussi le fait qu'on pourrait aller éclairer chez les voisins, puis tout ça. Alors, ça va être considéré dorénavant comme une nuisance, donc interdite par le règlement. Est-ce qu'il y a lieu de donner d'autres explications? Bien, ça a été présenté au dernier... C'est ça. Alors là, il s'agit de procéder à l'adoption. Qui propose? Propose. Règlement modifiant le règlement concernant l'usage du tabac. Alors, c'est le vapotage, les cigarettes électroniques vont être considérées dorénavant comme les cigarettes ordinaires. Donc, là où c'est pas permis pour les cigarettes, c'est pas permis pour le vapotage non plus. Qui propose? Secondé. À l'item 12, règlement déléguant au directeur général de la Ville les pouvoirs de dirigeant dévolu. Je vais laisser Maître. D'ailleurs, je vous présente Maître Savard,
qui remplace notre greffier pour au moins une semaine, puis peut-être plus. Il y a eu un accident chez lui, s'est blessé. Alors, c'est Marie-Hélène qui va le remplacer en attendant. Alors, veux-tu expliquer ça? Certainement. Alors, l'item 12 va avec l'item 13. Il y a des nouvelles dispositions dans la loi sur l'autorité des marchés publics. En fait, pour ce qui est de l'item 12, il y a des pouvoirs dans la loi qui sont dévolus au conseil municipal, qui est le dirigeant. Comme ces pouvoirs-là, normalement, sont d'interagir avec l'AMP lorsqu'il y a des plaintes au niveau des appels d'offres publics et au niveau de l'octroi de contrat lorsque le seuil, le montant est en haut du seuil établi par règlement, soit de 101 100 $. C'est le dirigeant de l'entreprise qui doit répondre à l'AMP et qui doit recevoir les recommandations de l'AMP lorsqu'il y a des plaintes. Alors, comme on doit répondre sans délai, c'est la loi qui le demande, la loi propose que ce soit un pouvoir qui soit dévolu au directeur général. Alors, l'item 12, ce qu'on fait, c'est un règlement de délégation de pouvoir au directeur général qui va prendre la place du conseil municipal pour interagir avec l'autorité des marchés publics en cas de plainte. OK. Alors, qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Le dépôt est fait automatiquement du projet de loi. Ah, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion. Alors, c'est donné par Mme Papillon, c'est ça. Ensuite, il y aura la bon. C'est ça. Là, on a dit la présentation et dépôt du projet de règlement. Exact. Y a-t-il quelque chose à dire là-dessus? Non. Alors, oui, concernant la procédure de traitement des plaintes, c'est une procédure interne. C'est au niveau de la ville à ce moment-là. Et c'est lorsqu'il y a une plainte à la ville, pour la même raison, lors d'appel d'offres, c'est une procédure qui va être appliquée à l'interne pour la personne qui va être désignée responsable de l'application. Là-dedans, il va avoir les critères de recevabilité d'une plainte, il va avoir les critères de réception et de traitement d'une plainte, il va avoir les modalités de décision. Alors, c'est une obligation par la loi, ça doit entrer en vigueur maintenant. OK. Donc, à ce moment-là, il y a lieu de déléguer, de nommer quelqu'un responsable de l'application de cette procédure-là. Et comme Maître Savard joue le rôle de greffière, elle ne peut pas se nommer elle-même, alors je vais la proposer pour agir au nom de la Ville dans ce dossier-là. À l'unanimité même? Oui. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Proposé et résolu à l'unanimité. Oui, alors ça a été proposé, oui. Oui. Résolu. Proposé. Unanimement proposé. Confirmation de Mme Anne-Marie Hudon comme technicienne juridique. En fait, c'est travail au greffe, puis là maintenant elle est rendue, sa période d'approbation était faite. Alors, confirmer sa permanence. Qui propose? Proposé. J'appuie. Demande d'investigation pour les technologies de l'information, je crois, de Ville de Québec, autorisation. Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? Les investigations de TI? Oui. Oui, pas de problème. Il y a lieu de déléguer deux personnes. Oui. Alors, en fait, ce que je comprends de ce point-là, c'est qu'il doit y avoir deux personnes qui doivent être autorisées à faire des demandes d'investigation à la Ville de Québec, parce qu'on a une entente avec la Ville de Québec concernant toutes nos modalités informatiques. Et si jamais on a besoin d'avoir de l'information au niveau de courriel ou toute autre sorte d'informations qui sont en lien avec les technologies de l'information concernant des fonctionnaires ou des élus, par exemple, ça prend quelqu'un à l'interne qui est désigné pour pouvoir faire le lien avec la Ville de Québec. Et c'est deux personnes qui doivent être nommées. Et là, il est proposé que ce soit Maître Deschênes. Maître Deschênes. Et M. Rousseau. M. Rousseau. Propose. Direction, oui. Direction générale, lettre d'entente, projet pilote pour l'horaire d'été 2019, col blanc. Et ça va être la même chose à l'item 17 pour les cols bleus. Alors, M. le directeur général, voulez-vous expliquer? Il y a quand même une différence entre les deux. Oui, exactement. Ça veut dire qu'au niveau des cols blancs, le choix de la Ville, d'ailleurs, c'est la proposition de l'employeur à ce niveau-là, c'est de créer un horaire d'été pour les employés de la Ville. C'est courant dans ces temps-ci. Plusieurs villes, Sainte-Catherine, Saint-Raymond, Saint-Augustin, ce qui veut dire que dorénavant, à l'Hôtel de Ville, les cols blancs vont être effectifs réduits le vendredi après-midi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une personne par service, ce qui veut dire qu'on va quand même pouvoir servir la population, puis les gens vont faire leurs 35 heures dans 4 jours et demi.
Ça veut dire que ça leur permet à ce moment-là de prendre un vendredi après-midi de congé pour la période du mois de juin jusqu'au mois de septembre inclusivement. Pour les travaux publics, bien évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Puis la tendance est forte aussi à ce niveau-là dans la région, les mêmes villes. Eux vont travailler sur 4 jours et demi. Le vendredi après-midi, ça va être fermé. Cependant, en cas d'urgence, évidemment, bien, il va y avoir un service d'appel. L'hôtel de ville va être disponible aussi pour répondre. Ça veut dire que dans la mesure où ça prendrait des employés pour travailler le vendredi après-midi, bien, ça va être possible à ce moment-là. Mais on instaure cette nouvelle horaire-là, un projet pilote cependant. Puis on verra à la fin de l'été ce que ça va avoir donné. Puis si c'est positif, bien, il y a des chances que ça soit à nouveau répété dans le futur. C'est-à-dire que l'idée étant... Effectivement, ouais. On n'a pas le choix. Bien, il y a une tendance forte. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît... Enfin, on veut s'assurer de la rétention de nos employés. Conserver nos employés, puis en attirer dans le cas où il y en a qui quittent. Puis c'est présent, pas seulement dans l'entreprise, pas seulement pour les villes, mais aussi dans l'entreprise privée. Ça veut dire qu'il y a une tendance forte. Puis il faut s'ajuster. C'est un peu ça l'idée, horaire d'été à compter de juin. Je dirais, M. Loranger, que contrairement à ce que vous dites, qu'on n'a pas le choix, je pense pas que c'est une question de ne pas avoir le choix, mais je pense que c'est une question de belle reconnaissance aussi pour nos employés, surtout. C'est comme ça que je le vois, moi. Aussi. On est tous d'accord là-dessus. Oui, effectivement, on est tous d'accord. Ça pourrait être unanime. À l'unanimité. Oui. Unanimement proposé, résolu, les deux. Oui, d'accord. 16 et 17. Lettre d'entente, création de nouvelles classes d'emploi de techniciens en génie civil au service des travaux publics. Alors, autorisation de signature. Alors, qui propose? Je propose. Secondé. Ça règle l'ensemble de toutes les trois étapes. À l'item 19, en pause de techniciens en génie civil, autorisation de la signature de la lettre d'entente et du contrat de travail. Alors, il s'agit de M. Lafleur. Philippe Lafleur. Oui, c'est ça. Oui, Philippe Lafleur. C'est un de l'ancienne Lorette. Oui, quelqu'un de l'ancienne Lorette qui a travaillé comme étudiant l'an passé, puis a terminé son cours de technicien en génie civil, puis il va débuter prochainement comme employé permanent chez nous. Qui propose? Je le propose. Regardez. Item 20, demande de dérogation mineure au 1539 rue des Métairies. Pierre? Oui. Donc, oui, au 1539 rue des Métairies, c'est une demande de dérogation mineure. On voit ici le terrain en question. C'est un jumelé. C'est un bâtiment qui est jumelé. On voit la façade du bâtiment. En fait, la nature de la demande, c'est de permettre la construction d'un cabanon d'une superficie de 23 mètres carrés, alors que le maximum prescrit par le règlement de zonage est de 18 mètres carrés. On voit la localisation du bâtiment projeté. Actuellement, il y a un cabanon déjà, mais il va être démoli pour faire place à un cabanon un petit peu plus grand. La hauteur, on voit les esquisses visuelles. La hauteur du bâtiment ne dépassera pas 3 mètres. Je ne penserais pas qu'il y ait d'impact négatif pour le voisinage. Ça a été soumis au CCU qui a soumis à son tour la recommandation au conseil. Donc, la décision pourrait être prise. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui, madame. Ah, c'est le côté, ça. C'est la largeur du bâtiment. Pour point 7, c'est la largeur. La hauteur est de 3 mètres et la largeur de 3,7. Vas-y, M. Guérard. Pas d'autres questions? Monsieur Guérard, en question. Oui. En fait, là, on dit que la réglementation demande 18 mètres carrés. Et là, on autorise 23, mais je n'ai pas de problème avec ça. Mais y a-tu des moments où on refuse? Là, on l'autorise pour ce cas-là, mais... Pourquoi on exige 18 mètres carrés si on autorise à 23? Ben en fait, à l'ancienne arrête, c'est des petits terrains. Hein? C'est pour ça que le conseil à l'époque, j'étais pas là, mais c'est sûrement qu'il a décidé de restreindre un petit peu la superficie des cabanons. Souvent, dans les municipalités avoisinantes, tous ceux qui ont des plus grands terrains, ça peut aller jusqu'à 30 mètres carrés. Mais actuellement, à l'ancienne arrête, c'est 18 mètres carrés. On a déjà refusé des demandes en commission d'administration pour des cabanons qui avaient des hauteurs disproportionnées, qui pouvaient avoir un impact négatif sur le voisinage. Puis dans ce cas-là, ça a été soumis au CCU et il a donné son avis au conseil. Il pourrait y avoir des cas dans d'autres territoires qu'on refuse 23 mètres carrés, c'est ça? Absolument. Oui. C'est la discrétion du conseil. Dépendamment de la grandeur du terrain. Tout est flexible, là, je comprends. En fait, quand ça va au CCU, ceux qui sont refusés, vous ne les voyez pas ici.
OK. Je me pose la question parce que, tu sais, si on a un règlement, c'est là pour être respecté, là, mais... D'accord. Alors, OK, s'il y a des questions... Oui. Pas de questions? Oui? Ça diffère entre un cabanon et un garage. Pourquoi? Pardon? Ça diffère entre un cabanon et un garage. Moi, je me suis déjà fait dire, quand j'ai construit mon garage, si j'avais demandé le permis d'un cabanon, j'aurais pas eu le droit à cette grandeur-là. Pourquoi il y a une différence entre la demande s'il y a une porte de garage? Je peux pas vous répondre. On lui pose la question, je ne peux pas vous répondre. En fait, c'est la nature même du bâtiment. Le bâtiment, un garage, ça vise à abriter des automobiles. Fait qu'évidemment, des fois, les largeurs sont plus grandes pour un garage, tandis qu'un cabanon, c'est vraiment des outils de jardinage. C'est la grandeur de terrain. Oui, oui. Mais en fait, vous avez le droit à un garage et un cabanon par terrain pour la majorité des zones. Et il y a des dispositions réglementaires qui diffèrent pour chacun. Donc, les cabanons, c'est un petit peu plus petit, tandis que les garages, c'est plus gros. Pour la nature même de l'usage qui est exercé à l'intérieur du cabanon versus un garage. C'est pour ça. Ça jumelé, ça? Oui. Si l'autre jumelé, c'est construit pareil, c'est ce qu'on a demandé la question. La vérification avait été faite au CCU quand a eu la demande. On a aussi validé ce côté-là. S'il y avait le monsieur à côté qui voulait avoir la même chose, bien, il y a encore de l'espace. On ne pénalise pas le voisin en accordant cette dérogation-là. Ça a été validé. Ça va? L'autre qui propose? Proposé? Ça a été proposé. Oui. Dérogation mineure au 1484 rue Jean Daumier. Oui. C'est une dérogation mineure qui résulte, en fait, d'un incendie qui s'est produit à l'automne 2018. Donc, au 1484 rue Jean Daumien, le bâtiment s'est incendié et évidemment, il a été détruit à plus de 50 %. Donc, il désire se reconstruire sur les mêmes fondations qu'à l'existant. Donc, on voit le terrain en question. Ce qui explique un petit peu la nature de la dérogation, c'est de permettre la construction d'une habitation unifamiliale avec une marge de recul latérale de 2,4 mètres au lieu de 3,5 minimum. Le règlement 2014 a été modifié pour, en fait, espacer un petit peu plus les bâtiments, entre les bâtiments principaux. Il y a eu des marges de recul de 3,5 mètres qui ont été implantées dans le règlement, alors qu'à l'époque, c'était 1,6 mètres d'un côté, 0,6 mètres de l'autre. Donc, on voit ici l'implantation du bâtiment à 2,49. En fait, c'est de permettre la reconstruction sur les fondations. Sur les fondations actuelles. Est-ce qu'il y a des questions? Qui propose? Propose. Okay. Item 22, ben, c'est un PIA. En fait, c'est de, vu que c'est, faut autoriser l'émission du permis. C'est ça. En fait, approuver les plans d'architecture. Et suite à ça, il va y avoir un permis qui va être délivré. Donc, on voit ici l'architecture du bâtiment. C'est du fibrociment avec de la brique et de la fibre de bois. On voit ici une vue 3D du bâtiment qui va être construit. Donc, je pense que ça s'intègre bien au milieu environnant. OK. C'est beau. Alors, qui propose? Je propose. Secondé. Item 23, embauche d'un étudiant pour la tonte de gazon pour l'été 2019 au service des travaux publics. Puis l'autre, c'est l'embauche d'un étudiant pour des études de circulation au service des travaux publics. Je dois comprendre que les deux candidats vont alterner pas nécessairement. On peut aussi peut-être dire au monde qu'on a besoin d'employés. Ah, que si jamais vous avez des jeunes là, qui ne travaillent pas et qui seraient intéressés, envoyez-nous-les. On a de la job. On peut même prendre des retraités. Aussi. Il y en a pas mal autour de la table. Alors, nous prenons aussi l'embauche de M. Samuel Giroux. Oui, je vais changer de rang. Alors, M. Samuel Giroux et William Dehaye, tous deux de l'ancienne Norette. Proposé. Puis s'il y en a d'autres, ils sont déjà embauchés avant de partir. 25.
demande dans le cadre du programme Emploi Été Canada. Alors, il s'agit d'un programme qui permet d'obtenir une subvention pour nous aider à défrayer le coût des animateurs du programme Vacances Été, c'est ça, M. le directeur général? Alors, dans le cadre de, alors, c'est une résolution pour faire la demande de subvention. Par l'item 26, c'est la même chose, mais c'est dans le cadre de programme d'aide pour le soutien aux personnes handicapées. Alors, comme au PVE, programme Vacances Été, on a aussi des handicapés qui nécessitent un soin particulier. Mais ce serait aussi une demande de subvention pour nous aider à défrayer le salaire de ces employés-là. Qui propose? Proposé. Secondé. Qui a secondé à l'item 25? Ça va être moi. OK. À l'item 27, modification du financement pour l'œuvre d'art au point de service. Annick, veux-tu expliquer ça? Donc, ici, en mars 2018, on avait adopté une résolution disant que toutes les œuvres d'art seraient financées à même le règlement d'emprunt. Et puis, lors du budget, finalement, on avait discuté que l'œuvre d'art serait financée à même le surplus. Donc, on vient simplement modifier le changement de financement. Au lieu de mettre ça sur le règlement d'emprunt, on prend ça dans le surplus. 85 000 piastres sur le vrai. Oui. Alors, qui propose? Proposé. Puis. 28. Dépôt du rapport semestriel de la trésorerie. C'est le premier rapport qui est déposé cette année. Hein? OK. Alors, on se dirige vers le surplus de 277 000. Quelque chose comme ça. 277,106. En fait, mais on a un budget équilibré pour l'année 2019 présentement. Ça. On envisage un petit surplus de 25 000. En fait, la loi nous oblige à le déposer, mais il ne veut pas dire grand-chose. L'année est trop jeune encore. C'est bien ça. Le prochain va être plus parlant. Alors, c'est un dépôt. Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2019. M. Langeau, j'aurai une question sur les comptes à payer. Oui, M. Pajot. Le chèque Cain-Lamar Société, c'est 41473, au montant de 137,82. Je me demande pourquoi cette facture se retrouve dans les comptes à payer. Allez. Pourquoi? 41743, Cain-Lamar. Est-ce que c'est plainte de harcèlement, ça? Oui, c'est bien ça. C'est okay. Donc, c'est ce que je comprenais dans le libellé. Toutefois, en regardant plus près là, dans le détail de cette facture-là, si vous l'analysez, là, chers collègues, on peut voir que ces frais d'avocat sont en lien avec des pourparlers pour un contrat de service entre la Ville de l'Ancienne Lorette et M. Loranger. Et non concernant la défense de la plainte de harcèlement. Je comprends que ce montant-là réclamé par les avocats de M. Loranger n'a rien à voir avec la défense du maire dans le dossier de harcèlement. C'est ma compréhension. M. Loranger, à l'automne dernier, là, vous avez entrepris des pourparlers avec Mme Falardeau, entre autres, pour démissionner du poste de maire. En échange, vous demandiez d'être réembauché par la Ville à titre de consultant pour 230 000 $. Pas tout à fait dans cet ordre-là que ça s'est passé. Je vais juste compléter. Oui. À cela s'ajoutait une prime de départ, là, parce qu'en terminant poste de maire, il y a une prime de départ ou de transition, je ne sais plus trop là, le terme utilisé, là, mais qui vient s'ajouter un montant. Cette transaction, ce contrat n'a jamais été conclu d'ailleurs et avec raison. Je comprends que vous avez consulté vos avocats durant ces pourparlers pour représenter vos intérêts personnels. Oui. Aujourd'hui, vous réclamez que les contribuables de l'Ancienne Lorette paient vos frais d'avocat qui ont représenté ces intérêts personnels. Donc, moi, je demande à ce que cette facture-là soit retirée et que ce n'est pas à la municipalité de payer vos frais d'avocat dans ce cas-là. Donc, ou que si, est-ce que ces factures-là sont déjà payées ou pas payées? Annick? C'est marqué sur une dépense payée en avril. Oui, les chèques sont payés. Je vais peut-être pas vous rembourser à la vie.
Merci. D'autres questions, M. Pajot? Non, ça va pour le moment. 30A. Vous les avez les proposés, les secondaires? Ça prend une proposition? Ça prend une proposition là-dessus? Est-ce que, bien, j'imagine, il faut que ce soit appuyé. C'est, ouais. Donc. Je vais proposer avec la modification. D'accord. Secondé. 30A, signature de la journée, de la grande journée des petits entrepreneurs. Alors, je pense qu'on autorise M. Blais à signer la. Alors, qui propose? Et à 30B, je propose une motion de remerciement au curé Pierre Castonguay pour son dévouement dont il a fait preuve au cours des quelques 6 ans et demi ou à peu près qui a passé. Là, je n'ai pas le nombre de mois exact. Je sais que ça ne fait pas 8 ans, mais au moins 6 ans. Alors, tu sais, pour les années donc, qui a. Le dévouement dont il a fait preuve sur le territoire de la ville de l'Ancienne Lorette. Unanimement oui, proposé, unanimement résolu. Oui. Est-ce que je peux ajouter un variant ou s'il est trop tard? J'ai oublié. Pardon? Est-ce qu'on peut ajouter un variant? Un 30C? Oui. C'est de remercier les bénévoles qui ont travaillé samedi dernier pour la journée de la sécurité routière. Okay. On a eu beaucoup de monde qui sont venus s'impliquer pendant tout l'après-midi. Alors, je ne vais pas les nommer individuellement, mais on se reconnaît. Merci. J'ajouterais même féliciter le comité de circulation dont vous faites partie avec M. Garand pour avoir organisé ça, parce que c'est beaucoup de travail. On l'a vu. C'est beaucoup de travail. C'était surtout pour les bénévoles. Merci. Alors, ça met fin à la séance du conseil. On arrive maintenant à la période de questions. J'aurais une question. Oui, allez-y. Oui, je vais y aller avec mon classique. Je vais juste faire un petit suivi en lien avec les frais d'avocat et la ville de Saint-Augustin dans le dossier des frais d'agglomération. Est-ce qu'on a eu des démarches sur ce dossier-là dernièrement? Les démarches, on avait convenu de faire les démarches en même temps qu'on va faire la démarche pour la révision de la carte des réseaux à l'agglomération. Et à date, on doit se rencontrer pour discuter de ça, mais on n'a pas eu de convocation du ministère ou quelque chose comme ça, là. C'est ça? On n'a pas eu de convocation du ministère encore. C'est ça. Alors, on attend ça. Et ça va avoir lieu avant l'été ou après l'été? Ça dépend à quel moment le ministère va nous demander d'intervenir. Est-ce que les intérêts courent? C'est de l'argent quand même. Oui. Oui, vous avez chargé de l'intérêt? Non, on ne chargera pas d'intérêt. Voilà. OK. Oui, monsieur. Allez-y. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Ça marche-tu? Vous pouvez le décrocher. Voilà. L'instant, là, ce ne sera pas long. Ah. OK, c'est juste c'est pour savoir, la dernière séance du conseil, le 30 avril, normalement, c'est filmé, puis c'est sur le site de la ville. Puis pourquoi que la dernière séance n'est pas sur le site de la ville? Je vais vous répondre. En fait, c'est avec la ville. On a un contrat de service avec la ville de Québec. Ils devaient donner accès à un site FTP. Je ne suis pas très connaissant dans le domaine de l'informatique. Puis, je pense que ça a été corrigé ce matin, mais ce n'est pas volontairement tout ça. Ça veut dire que ça va être disponible. Si ça ne l'est pas déjà, ça va être disponible dans les prochains jours, comme toutes les autres séances conseil. Vous l'avez vu hier? Bien, sur YouTube, la chaîne, là, elle est disponible. Ouais. On va essayer de la mettre. On souhaite toujours la mettre sur notre site web, cette diffusion-là, puis ça va être comme toutes les autres séances. Il n'y a pas de cas d'exception. J'ai une autre question. Ça serait, la dernière séance, M. Guérard a posé une question sur la servitude pour le projet Nomade. Sur la servitude de l'aéroport de Québec. Puis, on nous a dit que la servitude affectait seulement une partie du terrain. Je me suis informé. J'ai vraiment le règlement de la servitude ici. Puis, je ne sais pas si monsieur l'a rangé pour. Oui. C'est ce qui est en jeu? Oui. Ben,
dérange pas. Alors, qu'une servitude perpétuelle comportant le droit de passage, le droit de couper et d'enlever tous les arbres, le droit d'installer et de maintenir un système de lumière d'approche au bout de la piste 624 et prohibant toute plantation, construction et érection de tout genre entravant les activités de l'aéroport de l'ancienne Lorette, comté de Québec, sur l'immeuble décrit et désigné comme suit. Savoir. Là, il y a beaucoup de choses après. Vous voulez pas geler tout ça? OK. Excusez, OK. Ça, c'est vraiment le terrain okay. de la quittance. OK. Puis, c'est quoi que madame ici en jaune? Je vais prendre encore un peu de votre temps, mais dans ce cas, il serait donc vrai de dire que l'aéroport pourra installer des équipements sur l'ensemble de ce terrain, même si des maisons y sont construites. Et là, la dame vous répond, oui, absolument, c'est ce que cela signifie. Est-ce qu'on est informé de ça? Oui, en fait, je vous assure que l'aéroport est informé. En fait, les promoteurs ont été informés, puis même il y a eu une rencontre entre l'aéroport et le promoteur, puis il y avait vraiment le plan d'implantation qui était déposé à l'aéroport. Et évidemment, elles sont au courant du dossier. Moi, j'ai une question, Pierre, là, parce que si je comprends bien ça, ça veut dire que là, ce qui est en train de se préparer pour un projet de construction de 21 maisons, ça veut dire que dans leur cour arrière, les gens peuvent se ramasser avec des installations aéroportuaires pour les avions. C'est ça? Nous, on n'a pas entendu parler de ça quand on a voté là-dessus. On n'a pas entendu parler de ça. Jamais. Je pense que le notaire opérant là-dedans a la responsabilité, lui, de signaler ça à tout le monde. Oui, mais peux-tu avoir un projet où c'est qu'on va dire à des gens, allez vous bâtir là, puis qu'il va y avoir des installations aéroportuaires qui peuvent s'installer en tout temps? Je pense que le promoteur a fait une demande qui était correcte pour la ville. Maintenant, ça, c'est le job du notaire opérant, de faire connaître ça aux acheteurs éventuels, puis si les gens achètent en pleine connaissance de cause. Point. Vous déposez ça au conseil municipal? OK. Ça va être enregistré, maître? Oui. Merci. On va regarder ça plus en détail. Merci. Ça, c'est un peu comme une service. Moi, j'ai une question en lien avec ça. Ça se pourrait-tu qu'on exige démolition? Voulez-vous vous identifier pour que… Yvan Dubé. À la lumière de l'information qui a été lue, là, est-ce que ça se pourrait que l'aéroport, dans 20 ans, 25 ans, exige de faire démolir une maison pour installer une antenne? C'est-tu ça que je comprends? C'est marqué une servitude perpétuelle. Mais parce que les maisons ne sont pas dans la servitude. Ouais, en fait, ce qu'on doit comprendre, comme Mme Falardeau vient de dire, c'est pas dans la servitude. Évidemment, on ne parle pas, M. Guérard, de la cour arrière. On parle de la servitude. Il y a une bande de je ne sais pas combien de large, Pierre. Non. C'est dans cette partie-là. Excusez-moi, monsieur, mais c'est marqué dans le document. Ben, écoutez, on va. C'est pas une bande de servitude. Ouais. C'est tout le terrain. Non. D'après ce que j'ai compris. Ce que je vous suggère de faire. Oui, en fait, on va l'analyser. Oui. C'est ce qui est en bleu. Oui. Ben, un jour, Maître Savard va analyser ça et nous faire une recommandation. Là. OK. Donc, on va revenir à la prochaine séance avec ça? Ben oui. Merci. Oh, M. Dubin, avez-vous gardé une copie ou vous en… Moi, j'en ai vous en masse. Merci. Merci, M. Je peux vous en fournir tout pour tout le monde. C'est bon, voilà. OK. Alors, Maître Savard, vous allez scruter ça puis nous revenir avec ça? Certainement. Merci. OK. J'ai un autre point. C'est au sujet du règlement municipal de la ville. Je ne sais pas si M. Laurangeux peut lire ce qui est en jaune. Oui. Vous n'avez pas ça lire? Bon, là, on parle bien du règlement de lotissement de la ville. Alors, interprétation du texte, les règles suivantes s'appliquent. Quel que soit le temps du verbe employé dans le texte, etc. Est-ce que vous avez… Non? OK. Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et à toutes… Ce qui est en jaune, M. Laurangeux. Ah, OK. Bien, c'est ça. Alors,
le CIVIL-Propriété. L'emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue. Le verbe « pouvoir » indique un sens facultatif. Exactement. Continuez. Okay. Il y a d'autres pages. Emprise des rues. Ça va? Emprise des rues. Le conseil municipal fixe selon la fonction et les caractéristiques qui suivent la largeur minimale d'une voie publique selon les critères suivants. Artère et emprise. Bon, une emprise locale, emprise de 15 à 20 mètres. L'utilité principale de la rue locale consiste à donner accès aux emplacements riverains. Ouais, c'est qu'est-ce qui est marqué à l'instant? Ben, regardez, M. Larranger, ici, c'est marqué. OK. Parce que c'est marqué ici, le tracé, d'accord, c'est bien écrit, hein? Le tracé des rues doit être conforme aux dispositions suivantes. On a lu tantôt que le verbe devoir, c'était une réglementation absolue. Oui. La prise des rues, OK, locale, c'est la prise locale du projet nomade, elle doit avoir de 15 mètres à 20 mètres. OK? Oui, C'est marqué dans le règlement. En plus, c'est une rue de cul-de-sac, en cul-de-sac, OK? Une rue locale de type cul-de-sac mesurée jusqu'au cercle de virage ne doit pas dépasser 150 mètres et doit se terminer par un îlot de rebroussement dont le rayon extérieur. Nous autres, moi, avec le projet que vous nous avez montré la dernière fois, j'ai calculé la longueur de la rue, puis ça me donne 183,7 mètres. C'est une autre affaire qui ne marche pas avec la réglementation municipale. Okay. C'est quoi, avez-vous quoi à dire là-dessus? Bien. Ben, en fait, au niveau de la longueur de la rue, il y a eu le règlement en fait, qui est adopté récemment, en fait, qu'on allait jusqu'à 250 mètres pour une rue de cul-de-sac. Fait que ça, c'est conforme, mais au niveau de la largeur de la rue, évidemment, la largeur projetée de la rue ne sera pas conforme à la disposition que vous avez mentionnée. Mais il existe un règlement sur les dérogations mineures qui permet au conseil municipal de déroger à l'un ou l'autre des règlements, soit de zonage ou de lotissement, et donc de permettre de déroger à la largeur de l'emprise. Fait qu'évidemment, il va devoir avoir une dérogation mineure qui sera présentée au conseil municipal. Le conseil municipal aura le choix d'accepter ou non l'emprise de la rue. Mais en fait, c'est une décision qui doit être prise par le conseil municipal. Mais je ne comprends pas pourquoi que vous dites que la longueur de la rue est changée alors qu'on a demandé des règlements municipaux, puis c'est pas marqué encore. Toutes les dispositions qui étaient susceptibles d'approbation référendaire ont été retirées. Par contre, c'est un autre règlement, ça ne touchait pas nécessairement la zone erreur 8. C'est un règlement qui touchait l'ensemble du territoire. Puis, cette disposition-là était applicable à l'ensemble du territoire. Ce règlement-là, il n'a pas été abandonné par le conseil. C'est nébuleux pour moi. Mais de toute façon, au niveau de la largeur de l'emprise, le conseil municipal devra répondre à la dérogation mineure. Sauf que là, à 150 mètres puis 183 mètres, c'est pas pareil. Bien, je vous dirais que c'est des normes, c'est pour les normes d'incendie. Exactement. Mais au niveau partout ailleurs, c'est la norme 250 mètres. Ben, pourquoi ici, si c'est 150 mètres? Ça a été fait à l'époque comme ça, 150 mètres. Et c'est pour cette raison-là que ça a été modifié. Et notre règlement, c'est-tu 150 mètres? C'est-tu 250? C'est là, c'est rendu 250. C'est rendu depuis quand? Depuis environ trois, je voudrais deux mois. C'est entré en vigueur. C'est qui a changé ça? C'était quand on a modifié le règlement de lotissement pour les dispositions concernant les fortes pentes, on a modifié en même temps cette disposition-là. Parce qu'évidemment, quand on a voulu accepter le projet nomade, on a voulu permettre cette disposition-là en même temps. C'est bien sûr. Mais la largeur de la rue, ça n'a pas fait l'objet d'une modification réglementaire, donc ça devra tout de même passer ici. On en a discuté la dernière fois, là,
la dérogation mineure là, pour la largeur de rue, on a discuté ici. La largeur de rue et la longueur, on n'a pas parlé. La largeur, vous disiez 15 mètres au lieu de... La longueur de rue est en lien avec le règlement des fortes pentes qui a été discuté, c'est l'année passée, ça. Les fortes pentes, là, ce qu'on a pour... L'entrée en vigueur, mais la discussion qu'on a eue là, pour l'histoire de Saint-Jacques, là, la rue Saint-Jacques, les maisons, c'était dans ce règlement-là? Ben, en fait, le règlement de l'étiment a été modifié. En même temps, on a modifié cette disposition-là. Pour dans ce règlement, j'aimerais ça voir ça, moi. J'aimerais ça voir le règlement de 250. Ouais. Je vais vous le montrer. Okay. OK. Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Bon, on va refroidir les ordures. Il n'y a pas de neige. Non, c'est pas ça. Je veux savoir comment ça va être dans le dossier de la neige. Des taxes de neige. Moi, chez nous, elle est fondue. Mais dans le bois, il y en a encore. Non, mais vous m'aviez dit l'autre jour, vous avez demandé à M. Rousseau d'étudier ça. Oui, mais as-tu étudié? As-tu étudié? Le directeur des travaux publics va nous revenir avec le rapport incessamment. Ça veut dire que ça a été discuté avec quelques conseillers, d'ailleurs, avec Mme Papillon ce matin. Ça veut dire qu'on revient très prochainement. Ça va être décidé avant l'hiver, assurément. Il n'y a pas de doute. Oui. Vous avez des secteurs, vous avez ramassé tout l'hiver. Comme la rue Sainte-Thérèse, là, des petites maisons arrangées, là. Tous les parkings, là, vous avez ramassé ça. On prend tout ça en compte. Mais qu'on ait la recommandation des travaux publics, tu vas être mieux au courant. Puis les parkings privés que vous entretenez, comme le restaurant chinois puis Logitech sur Notre-Dame, là... Ce n'est pas un parking privé, c'est un parking municipal. Avec pourquoi on a ça, je ne sais pas. Mais on a... Est-ce qu'il y a des gens qui payent pour l'entretien de ça, ou c'est la ville tout seul, puis les propriétaires du restaurant, puis l'autre, ils en profitent, c'est pas le gérant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la ville est propriétaire de ce stationnement-là, et elle l'entretient comme cela se doit. Mais est-ce qu'il y a les gens qui s'en servent, et ils ont une facture? Non. Pas le gérant. Je te dis pas que t'as tort. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dernièrement, même la fabrique avec avec la bibliothèque, disons, c'est des dossiers que anciennement. La fabrique n'est plus propriétaire du terrain, c'est la ville. C'est ça, mais est-ce que la fabrique va vous payer pour le parking? Pour le parking? L'utilité du parking? L'utilisation? On a une entente où on a acheté le terrain à un prix beaucoup plus bas. Et on leur donne le service en tout. Puis les gens de la garderie, eux autres, est-ce qu'ils vont, quand ils vont parquer là, est-ce qu'il y a... Bien, si à un moment donné, on a des ententes avec Richard Snackbar, on a des ententes avec le centre d'achat, on a des ententes avec la Caisse populaire, ils payent. OK. Parce que tantôt, on va manquer de parking, on va être obligé d'acheter le cimetière. Tout à fait d'accord. Ça. Il n'est pas élastique, ce parking-là. C'est parce que dernièrement, il s'est passé quelque chose, en tout cas. Élise, là, vous poserez des questions à vos collègues. Au contraire, être col bleu. Merci. Okay. D'autres questions? Oui. Non, non, c'est deux bungalows. C'est ça, hein? deux bungalows. Deux unifamiliales. Tout à fait. Oui, c'est ça. Le pavage. Le pavage. C'est ça. Ça va? Madame? Oui, bonjour. Isabelle Grenier. En fait, c'est plus une demande qu'une question. En fait, nouvellement, maman, là, depuis quelques mois, je me promène beaucoup sur la rue, la promenade du Canceau, en fait. Je vois vraiment beaucoup de jeunes aussi en vélo. Justement, on est des mamans en poussette. Il y en a qui se promènent leurs chiens. Je me demandais si c'était possible de penser à un projet pour mettre un petit air de jeu. Dans le milieu de la promenade du Canceau, il y a vraiment un grand espace là, qui communique, là, qui nous met en contact autant avec la rue Saint-Alphonse, oui. Saint-Georges. Oui. Puis on n'a pas vraiment de parc, là, si on parle de Saint-Jacques à des pins, puis de Turmel à Notre-Dame. Là, tout ce coin-là, toutes les mamans,
Bon, le plus proche serait Saint-Cyril. Oui, c'est ça, Cyril. Ouais, on peut le garder ça. Donc, pour les jeunes enfants, ça n'a pas besoin d'être gros, mais non, on peut une salle de jeu dans cette promenade-là. C'est une belle petite promenade. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Puis ouais. ça communique deux grosses artères, Turmel puis Notre-Dame. Donc, Puis, ben moi, je suis sur Sainte-Thérèse, puis on paye notre déneigement en passant. Donc, j'ai la facture. Non, c'est ça. En tant que présidente de la copropriété, on paye notre stationnement et le déneigement. Donc, merci. Belle suggestion, madame. Merci. Bonsoir, je m'appelle Denis Lavoie. Je suis maintenant président par intérim du regroupement sinistré. Qui représente les sinistrés de la Rivière-Lorette. Samedi le 27 avril dernier, au matin, suite aux fortes pluies et à la fonte des neiges, on est passé à ça, d'une autre inondation. Je vous ai rencontré M. Rousseau, M. Pajot, les gars de la ville. On a rencontré les ingénieurs de la Ville de Québec qui étaient sur place, des gens de WSP qui étaient là pour... prendre des relevés de débit et de niveau. Moi, le téléphone a commencé à sonner chez nous à 6 heures le matin. En tout cas, on a fait la veille, on a fait la tournée. On s'est occupé un peu de notre monde pour essayer de calmer le monde. Depuis 2013, quand je dis qu'on était à ça, il y a eu des inondations mineures dans le secteur commercial à Québec, à la jonction de la rivière Lorette et de la rivière Saint-Charles. Ça commençait. Finalement, tout s'est résorbé, tout s'est bien fini, puis on a fait une fois ouf. Je veux autant remercier vous autres à l'ancienne Lorette, la gang de Québec, parce qu'ils étaient sur le terrain, eux autres aussi, puis ils étaient là, puis on a parlé aux conseillers, puis tout le monde était là. Ça, c'est correct. Quand ça vient sur le bord d'eux, je sais que tout le monde est là, puis je sais que vous étiez ici, vous étiez sur le qui-vive, c'est merveilleux. La solution finale pour régler le problème de la rivière Lorette, le fameux mur anticru, tout le monde le connaît. Les plans sont faits, les plans sont prêts. Un beau matin, il y a quelqu'un à Québec qui s'est levé, à l'agglomération, je devrais dire, qui s'est levé puis qui a décidé qu'on ne le faisait plus. Nous, notre petit regroupement comme association, on fait des pressions au provincial, on fait des pressions au municipal à Québec pour que ce foutu projet-là reviennent parce qu'on sait tous que c'est ça la solution optimale. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais ce que je demande à la ville de l'ancienne Lorette, c'est concrètement et directement faire tout ce qu'elle peut pour que l'agglomération revienne et remette ce projet-là en marche parce qu'on était prêt, il était sur le point de pour les plans finaux, puis tout ça, là. Je veux dire... Il s'est passé quelque chose. Toutes les mailles sont attachées, c'est juste que là, en novembre 2017, ils l'ont laissé tomber. On a pris une pause, on a laissé passer les élections provinciales. Là, on est revenu avec un autre gouvernement. On a fait des pressions au gouvernement. C'est pas fort. Fait qu'on retourne encore au municipal, puis le municipal, ben c'est vous, parce que moi, à prime abord, je suis un citoyen de l'ancienne Lorette, qu'on fait partie de l'agglomération, mais je sais que le projet, il se décide là-bas, et qu'il vous demande encore une fois, ça fait très bien ici, là, mais je vous demande encore une fois une implication concrète, s'il vous plaît. Monsieur Loranger, juste en complément, parce que monsieur, vous amenez un excellent point. Ça se décide à l'agglomération, au conseil d'agglomération. Monsieur Loranger, vous siégez sur le conseil d'agglomération. Ouais. En avez-vous parlé? Non. Siégez-vous réellement au conseil d'agglomération? Non. Okay. Je vais revenir à chaque réunion avec ça. OK. Non, mais... Parce que ce n'est pas la table où on discute de ce genre de dossier-là. La décision vient quand même... Ce genre de dossier-là, je veux juste rappeler que, malgré tout, on n'a pas encore enlevé nos sacs de sable. Nous, notre mur anticru, il est là. Il n'est pas esthétique, mais il est là pour faire la job. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la Ville de Québec finisse la job qu'elle était supposée de faire. C'est ça qu'il faut travailler. Parlez-vous à la Ville de Québec? Oui. Puis, quand en avez-vous parlé la dernière fois?
André, on a discuté beaucoup avec WSP, etc. Donc, vous, quand avez-vous parlé directement au niveau politique? Au niveau politique, non. OK, merci. Et voilà. Moi, j'aimerais ça rajouter. Moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose là-dessus. Est-ce que je peux rajouter un point? Oui. Monsieur Laranger? Pardon? Est-ce que je peux commenter ce point-là? Absolument. Bon. En fait, moi, de mon côté, depuis que, ben, on se rappelle, M. Laranger était absent à l'Hôtel de Ville l'année passée. Donc, à la demande de j'ai sollicité Mme Falardeau pour m'impliquer dans le dossier. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à travailler le dossier depuis juillet l'année passée. Donc, je rencontre les gens de la Ville de Québec. Pour l'instant, moi, je rencontre avec André, directeur général, les deux représentants de la Ville de Québec et les responsables de dossier. C'est une base régulière, je leur parle. Et je leur parle aussi que les citoyens ont un besoin de savoir où est rendu le dossier. On a besoin d'échéanciers, ils ont besoin d'avoir de concret. Là, on discute à huis clos parce que je n'ai pas l'autorisation encore de donner des informations. Moi, j'essaie de travailler en collaboration, en partenariat avec ces gens-là. Et encore, la dernière fois, j'ai martelé, il faut un plan de com. Parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis la sortie de M. Labombe, là, il y a un changement de chaise, tout ça, mais depuis ce moment-là, changement de chaise, je pense, de gouvernement, entre autres. Là. Mais depuis ce moment-là, je pense qu'il y a une belle collaboration de la Ville de Québec. Moi, je travaille avec la Ville de Québec, ça va bien. Et j'apprécie toutes nos discussions, mais je peux juste pas vous donner l'information que ça va arriver quand. Mais je sais que quelque chose. Assurément, le dossier est travaillé et je sais que les gens de la Ville de Québec ont à cœur ce dossier-là, autant que moi, je l'ai aussi. Là. Et à chaque rencontre que j'ai avec eux, je dis « Comment que je peux vous aider à nous aider? » Donc, je dis « Est-ce qu'il faut faire des pressions politiques? » Parce qu'il faut se tirer les ficelles au bon moment. Si on brûle toutes nos cartes, on n'avance pas plus non plus. Fait que j'avais demandé à M. Laranger si, au même moment que M. Labombe avait fait sa sortie contre le ministère de l'Environnement, si M. Laranger avait appuyé cette démarche-là, ça n'a pas été fait. Mais, somme toute, là, je pense que je maintiens le cap pour qu'il va y avoir un plan de com qui va vous dire où est-ce qu'on en est rendu. Gardez espoir, je sais que les délais sont incroyablement trop longs, trop longs, mais je prends toutes mes connaissances en tant que gestionnaire de projet pour mettre la contribution dans ce dossier-là, mais on sait, hein, quand la politique s'embarque là-dedans, c'est une grosse machine. Monsieur Laranger, est-ce qu'on peut, en complément, là? Que vous pouvez prendre l'engagement d'ici la prochaine séance du Conseil, de prendre le téléphone, puis d'appeler au niveau politique à la Ville de Québec, puis prendre le lead là-dedans, puis avancer là-dedans. Vous affirmez beaucoup de choses. Je veux juste savoir si vous êtes prêt à faire ça. Moi, je ne prendrai aucun engagement envers vous, M. Parrault. Ce n'est pas envers moi, c'est envers les sinistrés. Envers les citoyens, à date, je me suis engagé à les protéger. Je n'ai pas manqué à mes engagements. Et on va prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire avancer le dossier. Là où je suis d'accord avec M. Gallard, pas avec tout ce qu'il a dit, c'est qu'il faut savoir à quel moment intervenir. Il ne faut pas brûler nos cartes. Il ne faut pas aussi brimer des susceptibilités, parce qu'on sait ce que ça peut donner. Alors, c'est un dossier qui est touché. On sait tous, puis on ne dira pas pourquoi la Ville de Québec a viré de bord. En tout cas, moi, je le sais. Puis je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais le dossier n'est pas fermé. Voilà. Oui, monsieur. Oui, tout à l'heure, dans son intervention, M. Pajot parlait d'allocation de transition ou d'allocation, en tout cas, quand quelqu'un le part, là, OK? Moi, j'aimerais savoir, parmi vous autres, là, qui a droit à ça, à ces allocations-là, puis comment vous pouvez justifier ça? C'est dans les règlements, c'est... Au ministère municipal, il y en a une que c'est ouais. Régi par le gouvernement, c'est l'allocation de départ. Oui. Ça, tout le monde y a droit. Le micro. Mais il faut faire notre mandat. Si je pars demain matin, je n'ai pas droit à ça. Mais ça, c'est le gouvernement qui régit ça. L'autre allocation, c'est qu'on appelle l'allocation de transition, c'est seulement pour le maire. Si, au moment où il va partir, mais pas en milieu de mandat, à la fin de son mandat, ou s'il y a des causes... qui amènerait autre que ça, mais ça, c'est... les conseillers, on n'a pas droit à l'allocation de transition. C'est mais seulement le maire. L'allocation de départ dont vous parlez, Mme Falardeau, là, c'est que vous faites votre mandat de 4 ans, supposons, là, et puis vous décidez, vous vous présentez, puis vous n'êtes pas réélu, là, vous avez le droit à une allocation de départ. Oui. Oui, je pense que c'est les conseillers, je ne crois pas. Oui. Mais je crois que ça prend au moins deux mandats. Ça prend au moins deux mandats? Ça prend au moins deux mandats pour être éligible à cette allocation-là.
Pour ma part, c'est pas justifié. Là. Moi, je trouve pas que c'est justifié, ça, ces affaires-là. Effectivement. Si tu n'as pas fait de demande, tu n'as pas le droit. Certaines que le droit. Effectivement, la portion d'allocation de départ, là, c'est plus très à la mode politiquement, hein, ces choses-là. Et peu à peu, les villes enlèvent ces allocations de départ-là, même au niveau provincial aussi. Là, Donc, il y en a une des deux qu'on contrôle, je comprends? Oui. Bon, bien, on peut-tu en faire la proposition que ça disparaisse? On l'avait essayé l'année passée. Je pense que c'est pas la place, là, Gaëtan. OK, mais on va en discuter, puis on reviendra avec ça. On a refusé tantôt, là. Oui, comme je vous dis, moi, ça me dérange pas. Non, mais on a déjà dit qu'on n'amenait pas aucun nouveau point. Oui, on va en discuter au CA, puis on le ramènera. Il n'y a pas de problème. Madame? Bonsoir, François Auger de la rue Papillon. Alors, comme M. Lavoie, le 27 avril, j'ai fait la fourmi de ma maison jusqu'à la rivière, venir à la maison, retourner à la rivière. On était plusieurs à faire ça. Mm-hmm. Suite à cette pluie-là, qui était quand même assez intense, et la hauteur de la rivière qui a monté, elle a fini par descendre, la rivière. Et nous avons constaté, nous, plusieurs personnes qui demeurent sur la rue Papillon et autour de la rivière, qui avaient des sédiments qui se sont accumulés dans les méandres, dans les virages. Est-ce que vous, la Ville, avez constaté l'accumulation de ces sédiments? Oui. Effectivement. Pour la plupart des sédiments qui avaient été enlevés en 2013, ils sont revenus au même endroit, sensiblement. C'est-à-dire que ce n'est pas évident, je vous dirais, puis ça va faire partie du plan. Puis d'ailleurs, je crois qu'une des solutions, ce n'est pas de creuser la rivière. Hein. Souvent, on a entendu ça dans le passé, ce n'est pas ça. Le mur anti-crue, oui, on y croit. On fait des démarches, il y a un comité, comme Charles a mentionné tantôt. Puis il y aura à nouveau un comité. Je vais siéger sur un comité prochainement. Parce que le projet n'est pas mort, il ne faut pas qu'il soit mort. Puis les sédiments, il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Ça reviendra toujours, toujours, toujours aux mêmes endroits. On me dit que, je ne suis pas un spécialiste de rivière, mais on me dit qu'une rivière, ça vit, effectivement, ça vit. Puis il y a des dépôts qui se créent aux endroits, d'ailleurs, où ils sont les enlevés. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps, un an, puis c'est revenu en place en 2013. Oui, allez-y. Est-ce que, M. Rousseau, vous êtes en train de me dire qu'on va laisser les sédiments où ils sont? Or, probablement que les sédiments vont demeurer, à part qu'il y aurait eu une accumulation de terre importante, mais encore là, fort probablement que ces sédiments-là vont demeurer. Mais ça va donner lieu à une analyse de la part de la Ville de Québec, là. Mais peu probable qu'il y ait enlèvement de ces sédiments-là. Et je crois comprendre aussi Merci. Que la rivière est quand même inspectée de façon régulière par la ville de Québec. Oui. Par exemple, il y a un arbre qui est tombé dans la rivière, un gros arbre qui est tombé dans la rivière de Québec. Oui. Bien, ils sont en train de les enlever, là. Ils font des travaux pour tout enlever ça, pour ne pas créer d'embargue, justement. Je vais juste mentionner aussi que, pour revenir à votre point tantôt, là, que je prends à cœur votre dossier et notre comité, le 3 mai, on a fait toute la révision des processus pour s'assurer que s'il arrive des inondations, qui fait quoi, quand, toutes les relèves. Oui. Donc, ça, là-dessus, je m'excuse. Mais vous étiez invité, monsieur. J'ai reçu l'invitation. Monsieur, vous avez parlé avec monsieur Rousseau. 3 mai. Ben oui, j'étais parti à l'extérieur. T'as absolument raison. Nonobstant tous les comités puis toute la politique, là, mm-hmm. on est sincèrement à bout. Là. Et je vous comprends tellement. Oui, je sais, mais faites-moi la preuve que vous me comprenez à ce point-là. Vous voulez que je déchire ma chemise? Non. Non. Je m'implique du mieux que je peux dans votre dossier. Bien, présentement, nous... Et quand on a des interventions avec... on n'est pas au courant de ce qui se passe. André, vrai ou pas vrai que j'ai demandé que le comité sinistré participe à nos discussions? Et la réponse est dit oui, mais pas tout de suite. Et à chaque fois qu'on a une intervention avec le téléphone, là, qui est les automates là, qui vous appellent, là, je demande à André, appelle le regroupement. Oui, André m'appelle. J'essaie de vous mettre dans la boucle autant que possible. Pour l'instant, je n'ai pas tous les leviers. Ce qu'on peut dire, il y a des cerneaux pour parler actuellement. Et là, vous dites que c'est long. Effectivement, c'est très long. Je suis d'accord avec Charles sur l'arrivée. On souhaite rencontrer les gens de la zone concernée, mais on ne peut pas. Et tout comme Charles, moi, je souhaite
Parce que le succès d'un projet... Le succès d'un projet... On en revient là-dessus tout le temps. Mais le succès d'un projet, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes. Puis pour l'instant, ce n'est pas la culture du dossier et j'essaie de la changer tranquillement. Régulièrement, on leur demande à chaque réunion s'il est temps de faire une démarche. Puis, vu que les pourparlers sont sérieux avec les instances, vous pouvez imaginer qui, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu actuellement. Sauf qu'évidemment, lorsqu'il viendra le jour, la nécessité, bien, je crois que M. Loranger, Charles, vont faire des pressions là, qui vont s'avérer nécessaires. Mais pour le moment, pour le bon avancement du dossier, ça n'a pas lieu. Mais tout comme vous, moi particulièrement, j'ai hâte de voir arriver ces mesures temporaires, ces mesures permanentes-là. Puis pour la journée du 27 avril, M. Lavoie n'a pas passé proche des inondations, à tout du moins pas dans le secteur de l'ancienne Lorette, parce que les mesures temporaires qui ont été mises en place en 2013, on n'a pas atteint ce niveau-là. Ça veut dire que la rivière n'a pas débordé en soi. Puis les mesures temporaires auxquelles on croit n'ont pas été testées. Mais on a bon espoir que ça fonctionne bien. Mais ça n'a pas été le cas le 27 avril. Elles ont été du côté de Québec. Oui, exactement. Du côté de l'ancienne Lorette, ça n'a pas été le cas. Là. Ça veut dire que je ne doute pas au niveau de la Ville de Québec, là. Probablement. D'autres questions? Alors, bonsoir. Qui propose?